بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 59 sur le cours de limite et continuité niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au cube plus 6 sur 3x moins 2 si x est inférieur ou égal à moins 1. F de x est égal à cosinus px si x compris strictement entre moins 1 et 1. F de x est égal à moins 1 demi fois la racine carrée de x au carré plus 3 si x supérieur ou égal à 1. Montrer que f est continu sur l'ensemble R. Réponse. Montrons que f est continu sur R. Posons f1 de x égale à x au cube plus 6 sur 3x moins 2. Si x inférieur ou égal à moins 1. La fonction f1 est rationnelle. Donc, elle est continue sur R, en particulier sur son domaine de définition, bien sûr. Elle est continue sur son domaine de définition, donc le domaine de définition ne contient pas le nombre qui annule le dénominateur qui est 2 sur 3. Donc f, ou bien f1 est continue en particulier sur l'intervalle moins l'infini, l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Posons f2 de x est égal à cosinus px et x compris strictement entre moins 1 et 1. La fonction cosinus, la fonction cosinus est continue bien sûr sur R, en particulier sur l'intervalle ouvert moins 1. Elle est continue sur moins 1, 1. Posons f3 de x est égal à moins 1/2 fois la racine carrée de x au carré plus 3 et x supérieur ou égal à 1. Bon, cette fonction, la fonction f3 qui est la racine carrée de x au carré plus 3 de 2 fois moins 1/2 et continue sur son domaine de définition qui est R, puisque x au carré plus 3 il est strictement positif. Donc la fonction f3 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, intervalle ouvert 1 plus l'infini, car x au carré plus 3 est strictement positif. Donc on n'a aucun problème avec la racine carrée de x au carré plus 3. Maintenant, il suffit de montrer, que f est continu
en moins 1 et en 1. Bon, هادشي اللي بقى لنا باش نكملوا لونسومبل R. Ce qui nous reste pour compléter l'ensemble R. بقى لنا l'élément moins 1 et l'élément 1. Et maintenant, on va chercher la limite en moins 1. Limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins est égal limite quand x tend vers moins 1 moins de x au cube de 6 sur 3x moins 2 qui est égal, et je peux remplacer x par moins 1, ça donne moins 1 le tout au cube, plus 6 sur 3 fois moins 1, moins 2. Moins 1 au cube, c'est moins 1, plus 6, c'est 5. 5 sur moins 5, c'est moins 1. Qui est égal aussi à f de moins 1. Car, si vous voulez, f de moins 1, c'est aussi moins 1 le tout au cube, plus 6 sur 3 fois moins 1, moins 2. Limite, quand x tend vers moins 1 plus 2f de x, est égal limite, quand x tend vers moins 1 plus, le cosinus px est égal à cosinus moins pi en remplaçant x par moins 1 et cosinus moins pi c'est moins 1 qui est égal à f de moins 1. Donc, limite à gauche de moins 1 est égal à limite à droite de moins 1 qui est égal à f de moins 1. Par conséquent, f est continu. Par conséquent, f est continu en moins 1. Maintenant, on va chercher limite à gauche et à droite de 1. Limite quand x tend vers 1 moins. 1 moins de f de x est égal à limite quand x tend vers 1 moins. Et à gauche de 1, on travaille avec le cosinus px. Qui est égal à cosinus pi fois 1, c'est cosinus pi, et cosinus pi, c'est moins 1. Or, f de 1 est égal à moins 1, moins 1 demi fois la racine carrée de 1 au carré plus 3, est égal à moins 1 demi fois 2, qui est égal à moins 1. Donc, limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égal à f de 1. Maintenant, limite à droite de 1. Limite à droite de 1 de f de x est égal à limite quand x tend vers 1 plus. Et à droite de 1, on travaille avec la fonction moins 1 demi, racine carrée de x au carré plus 3. Qu'on a déjà calculé, c'est moins 1 demi fois la racine carrée de 1 au carré plus 3 qui est égal à moins 1 qui est égal à f de 1. Donc, bien d'où limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égal à limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à f de 1.
Ensuite, je m'excuse. Par suite, F est continu en A. Conclusion, F est continu. F est continu sur R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.